Salut à toutes et à tous, de retour sur The Forest, et j'ai ajouté un étage à la tour, comme vous voyez, elle commence à être assez grande, et cet étage-là est normal, il n'y a pas les petites meurtrières, les déformations qu'on avait vues la dernière fois, donc bah tant mieux, ça va reprendre son cours habituel, c'est bien, ça devait être un défaut passager. On va emmener le petit chariot du côté de la base nautique. J'aimerais bien la faire un petit peu évoluer, notamment faire un peu de déco. J'ai trouvé des trucs intéressants. Je vais mettre ça là. Et puis on va regarder un petit peu. Donc j'ai trouvé la voiture. J'avais jamais fait ça. J'ai mis une voiture là sur l'eau. Et puis des petites figurines, ça fait un peu parc à thème. Là, il y a un SOS. Là, j'ai mis un chien. Alors ça, c'est la représentation de ma femme qui est assise sur un tronc d'arbre. Enfin, la femme du perso. Et puis là, le petit Timmy qui me regarde en souriant. Du côté de la voiture. Donc, on a la voiture qui est posée là. Et puis, de nouveau, Timmy et sa mère. Alors cette fois, Timmy est assis sur un tronc d'arbre. Donc on va s'atteler à faire tout ça dans un premier temps. J'ai mis aussi des crânes lumineux pour éclairer pendant la nuit. Comme ça fera un peu moins triste. Mais par contre, ça fait du boulot, hein, cette histoire-là. Ça fait 291 bâtons à récupérer, notamment, ainsi que du rondin. Ça fait beaucoup, hein. Donc on va s'y mettre. Et puis ensuite, je vais travailler plutôt du côté du gouffre. J'aimerais bien faire des attractions un peu plus grand frisson, on va dire. Donc on va voir là-bas si on peut poser notamment un toboggan qui va au fond. J'avais déjà essayé, j'avais échoué, mais là, peut-être que c'est possible, je suis pas sûr. On va voir. Donc on va tester.
Bien, on va déjà en finir avec cette partie-là. La voiture, c'est bon. La lumière aussi. Comme ça, ça c'est fait. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est bien éclairé, ça va, ça se voit. Je vais amener le chariot de l'autre côté maintenant pour aller chercher du bois plutôt là-haut. Il y en a plus de l'autre côté. Les petits bâtons, là, c'est galère à trouver quand même. En plus, j'ai fait tous les arbres, les petits arbrisseaux qui avaient repoussé, je les ai coupés. À la limite, faudrait que je recharge la partie. On va regarder d'ici. Ouais, c'est bien. Et là-bas. Ah, j'ai oublié de terminer Timmy, on dirait. Bon, c'est pas très grave, je le ferai après. En tout cas, ouais, c'est sympa. C'est sympa, sympa. On va continuer pendant la nuit de ce côté-là. Éclairer un petit peu parce qu'on voit rien. Il me reste deux bâtons seulement. Là, je peux pas. On va mettre quelques pierres. Ouais, je vais continuer en off sur la nuit parce que voilà, je vais aller dans le noir et tout. C'est pas très intéressant. Et on se retrouve à l'aube. Le jour se lève enfin et nous fait découvrir un Timmy au visage radieux. Sa maman attend les secours. Et ici, il y aura une petite place pour 2-3 cages à lapins. Et le chien veillera dessus avec beaucoup de concentration et d'abnégation. On le connaît. Là-bas, c'est pareil. Un autre Timmy, une autre maman qui regarde les gens dévaler les toboggans. Je pense que je vais faire peut-être un autre jeu ou une autre attraction en m'aidant des deux espèces de construction indigène, là, on peut monter dessus avec des cordes. Il y en a même trois, il y en a une qui est là-bas, près de la forêt. Mais bon, pour le moment, on va s'atteler à autre chose, et là, ça va être plus complexe, puisqu'il s'agit de réussir à faire descendre un toboggan dans le gouffre. C'est un truc qui est assez délicat. Je crois que je vais mourir, il faudra plusieurs tentatives. Donc je vais aller sauvegarder à côté, il y a des tentes. Ça m'évitera à chaque fois de refaire le parcours pour revenir. On est de retour, mais le problème, c'est que c'est impossible de construire
ce toboggan parce que les constructions elles restent à la surface. Alors j'ai réussi à descendre. C'est assez long, on se blesse beaucoup. Grâce au médoc, on peut remonter et puis ça va, on atteint le fond. Mais les patrons de construction restent à la surface du gouffre. Ça descend pas. Du coup, bah, c'est impossible de faire descendre le toboggan. Donc j'annule cette attraction malheureusement. Pour compenser, je vais faire une petite tyrolienne comme ça qui passe au-dessus. Ça consolera un petit peu. Mais bon, c'est dommage quoi. Ils auraient pu prévoir ça, laisser construire jusqu'au fond. Je ne sais pas pourquoi c'est pas possible. Donc on va partir d'ici avec notre tyrolienne. Ça fait comme une petite hauteur, c'est en surplomb. Je pense que ça ira. Et puis on va aller jusqu'en face. Et ça pose pas de problème particulier. Après, si on veut, j'ai déjà vu faire ça, on peut se lâcher. On se lâche au milieu et on vise le trou d'eau qu'il y a tout au fond. Et comme ça, on atterrit dans l'eau, on meurt pas. C'est un peu le plongeon de la mort, c'est une chance sur deux. Faut bien viser. Ça fait un sacré tour hein, quand même. Donc je crois que si je veux justement pouvoir sauter, il faut que je me cale un peu de biais. Donc plutôt du genre comme ça. Ouais, comme ça on va dire. On va dire ici. Et je pense que ce sera faisable. Donc voilà, on valide. Il faut. Ah ouais, il faut 14 cordes. Et puis on les met où? On les met là. Ça va donc. 14 cordes, ça va être long. Les rondins, c'est pas trop un problème. Mais les cordes, bon, je vais charger. Je vais recharger à chaque fois la partie pour que les cordes réapparaissent. Sinon j'en ai pour 10 plombes. Je vais juste mettre les quelques rondins qu'il faut. On va voir si l'ami là-bas il nous attaque ou ce qu'il fait. Il attend ses copains. Ouais, il attaque. Il est hostile. Oh, je suis bloqué en plus. Attention. On va. Ah, mon rondin, attends. Je vais le placer et j'arrive. Je m'occupe de toi après. Voilà. Oh, il a sauté dans le gouffre. Ah non. Ah, ça fait mal. Désolé. Allez, tu pars? Non, il monte à un arbre. Je vais essayer de récupérer mes rondins pour pas qu'ils aillent verser au fond du gouffre. Je sais pas, ils sont pas décidés, hein. Ah, t'as vu quelque chose? En pleine tête. Parfait. Ah bah tiens, je vais récupérer encore. Parce que les têtes, j'en ai besoin. Et j'ai encore besoin de bras. À la limite, il me faut même des os, donc on va en profiter. Et pendant qu'il brûle, on va couper un autre arbre. Super. L'autre a l'air décidé à rester dans le coin. Est-ce que j'ai encore besoin de rondins 3? Oui. Ah bah dans le dos, ouais. C'est un peu traître, hein, ton truc là. En ce moment, je vise pas bien, hein. Allez, on finit de couper ça.
Bon voilà, niveau rondin, c'est bon. Bah lui, du coup, je vais le faire brûler également. Ah, les oiseaux meurent direct. Et puis ensuite... Oula, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est parti. Ensuite, on va aller chercher de la corde et puis on va tester notre tyrolienne. Centième jour de survie, là, c'est un jour anniversaire. Donc on va en profiter. Justement, on va terminer la petite tyrolienne qui passe au-dessus du gouffre. Et puis on va se lancer. Donc ça fonctionne parfaitement. Super. Et puis on va le refaire, mais cette fois je vais sauter et essayer d'atteindre le fond du gouffre. Allez, le moment de vérité. Il faut atteindre l'eau à tout prix. Mission échouée. Allez, nouvelle tentative. Cette fois, c'est pas mal. J'ai l'impression que j'ai pas assez décalé. Ah ouais. Bon bah ça va pas. Il faudra faire une autre tyrolienne. Maintenant qu'on sait exactement où est l'endroit où il faut atterrir, il faudra faire une autre tyrolienne qui coupe dans l'autre sens. Je vais faire ça la prochaine fois, puisque là, me revoilà. Wow, la musique. Me revoilà dans la situation de la dernière fois. Il faut s'échapper. En même temps, comme il n'y a personne qui surveille, ça va. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Bon, j'ai essayé 2-3 trucs qui n'ont pas fonctionné. C'est dommage, notamment le toboggan dans le gouffre, ça aurait été génial quand même, hein, quand on y pense. Mais c'est pas possible, hein, tant pis. J'essaierai d'autres choses. Il faudra que je pense à une petite attraction au milieu du lac. Et puis après, on continuera la tour et d'autres choses. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut!